Sophie Magdalena Scholl. J'ai 21 ans, j'attends un train qui va m'emmener à Stuttgart et j'ai peur. Alors bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Jean-Bernard Philippot, auteur et metteur en scène de Résistance. Alors pour écrire ce spectacle, cette pièce de théâtre qui raconte l'histoire de deux jeunes filles confrontées à la dictature nazie, qu'est-ce qui t'a inspiré d'écrire sur ce thème ? En fait, je travaille le mot résistance à la scène que je décline. Et donc, je voulais commencer par la résistance politique parce que c'est une transition avec le thème précédent qui parlait des nationalismes. Et comme j'avais déjà travaillé avec les Allemands sur un précédent spectacle et que ça s'était merveilleusement bien passé, clairement, ils m'ont dit « Jean-Bernard, on ne peut pas se quitter comme ça ». Donc on est parti en vacances, la compagnie Nomade, en juillet 2018. Et j'ai réfléchi, puis je me suis dit « Ah ouais, bon, j'avais prévu de parler de résistance française, mais résistance allemande. » Et puis, m'est revenu l'histoire de la Rose Blanche, quoi. Puis voilà, mais bien sûr que je vais faire ça. Et puis voilà, c'était parti. L'enthousiasme qui est déclenché partout était incroyable. L'un après l'autre, mes frères et sœurs décidèrent d'entrer en jeunesse. C'est la manche. La pièce aborde de nombreux thèmes. Hein, la résistance, bien sûr, les résistances, la liberté, la fraternité, la Shoah. Comment as-tu réussi à intégrer tout ça dans 1h10 de spectacle ? Il me semblait que tous ces thèmes étaient un peu mêlés les uns aux autres. Quand on parle de dictature, on parle forcément à l'inverse de liberté. Quand on parle des méfaits, des actes de la dictature, et en 42-43, dans ces années-là, dans les années 40, on parle de déportation, donc aussi de Shoah et de gens qui résistent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sans en faire un catalogue, il me semble qu'il y a des choses importantes et celle-ci en faisait partie. Je m'appelle Sophie Magdalena Scholl. Je transporte les femmes dans un train qui me transporte vers Stuttgart. Moi, au début, je commençais à lire beaucoup sur Sophie Scholl parce qu'il y a énormément d'écrits sur son personnage. Et elle avait beaucoup d'échanges aussi avec son amoureux. Mm-hmm. Donc il y a un grand recueil de lettres qui se sont échangées où je pouvais avoir énormément des informations sur comment elle était. Je me suis renseignée, j'ai visité aussi les lieux historiques pour me faire un peu plus familiale avec son histoire. Alors sur la partie allemande, je suis parti de l'histoire de la Rose Blanche, qui est donc une histoire qui existe. Et, dont, voilà. Et puis sur la partie française, j'ai inventé l'histoire. Voilà, parce que j'avais envie, en tant que créateur aussi, amener mes propres choses. Puis j'ai essayé de faire une mise en parallèle entre ces deux résistantes. Et voilà. Et puis après, ben forcément, elles s'entremêlent, ces deux résistantes, dans le sens où elles se rencontrent finalement. Alors rien ne nous attend à ça, mais elles se rencontrent parce que ce sont deux symboles de liberté. Toussaint, dépêche-toi. Si tu veux qu'on aille aux champignons, il ne faut pas partir trop tard. J'arrive, papa. Je déballe 4 quarts des escaliers. Après, je dois dire que le travail que j'ai fait là sur ce rôle diffère pas vraiment du travail que je peux faire pour d'autres personnages. À la différence près, quand même, que ça a donné lieu à une discussion avec mon père qui m'a appris que mon grand-père paternel avait été déporté dans un camp au Sahara. Et du coup, ça m'a particulièrement touchée. Mon grand-père maternel aussi a été dans les camps. Il s'est évadé 3 fois. Donc, je dois dire que oui, je me suis en tout cas inspirée de mon histoire familiale pour essayer de nourrir mon interprétation de ce personnage qui entre en résistance. Quand on prend conscience de ce qu'on raconte, de l'histoire qu'on évoque, moi, en fait, quasiment à chaque fois, ça me touche énormément de parler de ces parcours de résistants, de ces parcours de vie qui ont réellement existé. Et en fait, c'est l'histoire qui s'imprègne en moi et qui, presque naturellement, fait monter l'émotion. C'est un spectacle qu'on joue beaucoup devant les scolaires. Et moi, ce que j'espère, c'est que ce soit une façon de leur présenter ce moment de l'histoire qui les touche peut-être davantage que juste lire ces événements historiques sur un bouquin.
Effectivement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, la guerre à nouveau en Europe, c'est aussi une thématique, celle qu'on porte dans cette pièce, qui peut résonner très fort aussi par rapport à ce qu'on vit. Sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté. Et elles finissent par se parler autour du poème de Paul Éluard, justement. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté. Et je pense que ce sont deux symboles absolument essentiels et, voilà, et qui racontent à travers la vie de deux jeunes filles ce que je crois être essentiel, voilà, qu'on garde chacun de nous un esprit d'indignation, de résistance et puis surtout de liberté. Parfait, vous transportez des tracts. La patrie a besoin de nous. Hitler a besoin de vous. Mon triangle rouge embrasse son étoile jaune. Mon père protégeait Jeanne. C'est comme cela qu'elle s'appelait. Dans ma scénographie, j'utilise beaucoup les triangles, mais parce que c'est le symbole du résistant, tout simplement. Enfin, c'est aussi d'autres raisons, mais notamment le symbole du résistant et de faire en sorte. Enfin, je joue avec, ça raconte plein de choses. Ça raconte aussi les camps, non pas de concentration, mais les camps de militaires, les tentes des militaires. Enfin, t'as vu, je fais plein de choses avec, je joue vraiment avec beaucoup. Et à un moment, effectivement, c'est deux symboles de résistants qui sont aussi. Mes deux filles, tu en parlais tout à l'heure. Voilà, donc là, il y a deux triangles, je fais une étoile avec. Qui devient, donc ces deux triangles forment une étoile de David. Donc là, je pense qu'il y a un symbole religieux. Mais ça forme aussi une étoile. Là, je le dis parce que je pense que personne ne le voit, mais c'est comme mes deux résistantes, en fait. Mes deux femmes, à la fin, il y a une jolie étoile, un peu comme quand on regarde quelque chose qui brille dans le ciel. Quel message veux-tu que le public emporte avec lui suite à la représentation de Résistance ? Alors, ce n'est pas le mien, je dirais ça. C'est un message de Stéphane Hessel, qui était un grand résistant qui est mort il y a quelques années, qui disait que peu de peuples tiraient la leçon de leur propre histoire. Et donc, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Eh bien, faisons attention. Voilà. Et puis, gardons cette capacité d'indignation. Il avait écrit « Indignez-vous, lâchons rien, quoi ». Surtout qu'on est quand même pas mal entouré par des gens pour qui la liberté... Donc faisons attention, voilà. Liberté. Liberté. Liberté!